السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، دونك شيخ خيرنا الله عز وجل، أون إتي أغيفي أو حديث السهل بن سعد رضي الله عنه كي دون كتاب التوحيد، إي سيتي لو شابيتر كون أفي كومونسي لا فوا باسي كون أفي با تيرميني، كي أ بور تيتر، كي بو مرابل تيتر. نعم، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. On avait vu le verset de Sourate Yusuf et tout ce qui est concerné de ce verset de Sourate Yusuf. Et on est arrivé ensuite au hadith d'Ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé Mu'az au Yémen. Puis on est arrivé au hadith de Sahl ibn Sa'd qu'on n'avait pas commencé. On avait décidé de le laisser pour cette fois-ci pour le faire de manière complète en un dars. Et donc, Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوقون أي يخوضون. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى il dit, et d'après eux deux, et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, on avait dit déjà la fois passée qu'est-ce que ça veut dire, et d'après eux deux, d'après Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de Khaybar: je vais certes donner l'étendard demain à un homme qui aime Allah et son messager, et qu'Allah et son messager aime, par les mains duquel Allah accordera la victoire, par les mains duquel Allah accordera la victoire. Les gens passèrent alors la nuit à discuter au sujet de celui qui recevra l'étendard. Et lorsqu'ils furent au matin, ils se rendirent chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'eux espérant que l'étendard lui serait donné. Il sallallahu alayhi wa sallam dit alors: où est Ali ibn Abi Talib? Il fut alors dit: il se plaint de ses yeux. Et ils envoyèrent alors quelqu'un le chercher. Et il fut amené. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam crachota sur ses yeux et invoqua pour lui. Il fut alors guéri, comme s'il n'avait pas souffert de douleur. Et il sallallahu alayhi wa sallam lui donna l'étendard et dit: avance avec prudence jusqu'à ce que tu arrives à leur position, puis appelle-les à l'islam et informe-les au sujet de ce qui leur y est obligatoire quant au droit d'Allah le Très-Haut. Car par Allah, qu'Allah guide un seul homme par ton intermédiaire est meilleur pour toi que les chameaux roux. Yadoukoun, sur la parole de Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, yadoukoun ay yakhoudoun. Là-dessus, on a l'explication du grand savant الشيخ السلفي الشيخ صالح بن فوزان عبد الله الفوزان قال له بخزر حفظه الله تعالى قال دي سهل بن سعد هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي صحابي شهير مات سنة 88 وقد جاوز 100 ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما يوم خيبر أي يوم حصار خيبر سنة 7 أو السنة 7 هجرية الراية علم علم الجيش الذي يرجعون إليه عند الكر والفر يفتح الله على يديه إخبار على وجه البشارة بحصول الفتح في الغبتان بغنبخ إن شاء الله ليلتهم منصوب على الظرفية أيهم برفع أي على
على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. علي بن أبي طالب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة والخليفة الرابع من أسبق السابقين إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. قتل سنة 40 هجرية. يشتكي عينيه أي تؤلمانه من الرمد، فبرأ بفتح الباء على وزن ضربة، ويجوز كسره على وزن علم أي ضربة. أي عوفية عافية كاملة. أعطاه الراية دفعها إليه. أنفذ أي امضي لوجهك على رسلك على رفقك من غير عجلة بساحتهم بفناء أرضهم وما قرب من حصونهم إلى الإسلام، والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. وأخبرهم إلى آخر الحديث أي أنهم إن أجابوك إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. لأن يهدي الله في تأويل مصدر المبتدأ خبره خير. حمر النعم، حمر النعم أي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. On reprend les points un par un, comme il fait Cheikh Salah Al-Fawzan. Chaque fois, il rapporte des mufradats, des points importants hein, du hadith. Et il dit que Sahl ibn Sa'd, c'est qui Sahl ibn Sa'd, qui est le rapporteur du hadith. Il dit Sahl ibn Sa'd, ibn Malik, ibn Khalid, al-Ansari, al-Khazraji, al-Sa'idi, noble et célèbre compagnon, décédé en l'an 88 de l'Hégire, alors qu'il avait plus de 100 ans. Walahuma, et d'après eux deux, c'est-à-dire, comme on l'a déjà dit dans le dors précédent, c'est-à-dire al-Bukhari ou al-Muslim, ont rapporté ce hadith dans leurs deux authentiques, dans leurs authentiques respectifs. Yawma Khaybar, c'est-à-dire le jour du siège de Khaybar, en l'an 7 de l'Hégire. C'est important de retenir les dates, ikhwa, wa akhawat, de retenir les dates et d'essayer de retenir les noms. Et comme on a dit, c'est une bonne manière d'avoir une première vue, une première biographie des succinctes des Sahaba, parce que le Cheikh rapporte de manière très très succincte, en quelques mots, hein, quelques points sur ce Sahabi, donc d'essayer de retenir ces points-là, c'est important. Yawma Khaybar, c'est-à-dire le jour du siège de Khaybar en l'an 7 de l'Hégire. Ar-Raya, c'est l'étendard, l'alam, le drapeau de l'armée vers lequel ils reviennent dans l'attaque et la retraite, al-Karr wal-Farr. Yaftahu Allahu ala yadayhi, par les mains duquel Allah accordera la victoire. C'est une information de la bonne nouvelle quant à la victoire qui va se réaliser. Laylatahum, avec une fatha sur Laylah, Laylatahum, leur nuit à l'accusatif, car ce qu'on appelle al-dharfiyya, c'est un circonstanciel de temps. Ayyuhum, lequel parmi eux, ayyu, étant au nominatif, il ne va pas rentrer dans la suite qui dit al-bina li-idafatiha wa hadfi sarfi silatiha. Comment tu vas traduire ça en français hein? على كل حال عليكم بالعربية فإنها من دينكم كما قال عمر بن الخطاب أبخنا لا langue arabe car elle fait partie de votre religion. Et quand on dit ici inshallah, je vais faire une nasiha à la fin du cours inshallah pour les spécifiques pour les frères et les sœurs de Birmingham inshallah par rapport à la bien mis d'autres points. Et ikhwa, il faut apprendre اطلب العلم كما قال الشيخ زيد حفظه رحمه الله تعالى. Il a dit من خصائص الفرقة الناجية حرصهم على جمع العلم الشرعي. Parmi les spécificités du groupe sauvé, leur ardeur, leur diligence à apprendre la science religieuse, la science de la législation. Hein, c'est une caractéristique des salafis qu'ils s'attachent. Et comment tu veux faire cela si tu n'as pas la clé, si tu n'as pas la langue arabe? Et une fois d'apprendre la langue arabe, et apprendre la langue arabe, c'est de faire des efforts, d'apprendre le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, et d'assister cours après cours, et pas d'assister à un cours de rater 5. Hein, de faire du travail, de demander au professeur qu'il voit de toi que tu as talib al-mujtahid. Hein, et qu'il voit de toi que tu es quelqu'un qui cherche, et que tu vas chez lui, que tu lui demandes du travail supplémentaire, et que tu lui demandes des exercices supplémentaires, et que tu lui poses des questions avec adab, et que tu apprennes, et que tu hafad, et si tu hafad le mouton dans l'oral arabia, que tu les mémorises, c'est important ça aussi, et que tu donc joins la compréhension à la mémorisation, et c'est comme ça que talib ilm se construit. On a dit Ali ibn Abi Talib huwa ibn ammi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa zawj ibnatihi Fatimah wal khalifah ar-rabi' min asbaq as-sabiqin al-islam wa ahad al-asharat al-mubashirin bil jannah radiyallahu anhum ajma'in qutila sana 40 hijriyah. Ali ibn Abi Talib, après Sahl ibn Sa'd, mais on parle de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ardah. C'est qui? C'est le fils de l'oncle paternel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire son cousin. Et le mari de Fatima, le mari de la fille du prophète alayhi salatu wa sallam.
le mari de la fille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, est le quatrième calife parmi les tout premiers à se convertir à l'islam. Min asbaqis sabiqin, est l'un des dix à qui la bonne nouvelle du paradis a été annoncée, c'est-à-dire auquel le paradis a été annoncé par le prophète alayhi salatu wassalam. Yashtaki aynayhi, il se plaint de douleur à ses deux yeux, c'est-à-dire à ses yeux, c'est-à-dire qu'ils lui font mal en raison de... C'est une maladie qui on peut traduire en français par la conjonctivite. Fabara'a, il fut donc guéri avec une fatha sur le ra, comme daraba. Et il est permis de mettre une kasra comme alima. C'est-à-dire fabari'a. C'est pas comme je disais tout à l'heure daraba, fabara'a ou fabari'a. C'est-à-dire qu'il fut guéri d'une guérison complète. A'tahu ar-raya, il lui donna l'étendard. Il lui donna l'étendard. On avait dit que c'était ar-raya, c'était comme al-alam. Unfuz, c'est-à-dire par. Ala rislika, avec prudence, sans te précipiter. Bisahatihim, à leur position, c'est-à-dire sur leur terre et ce qui est proche de leur forteresse. Hansonuhum, il est l'islam, à l'islam. Et ça, c'est quoi l'islam? C'est la soumission à Allah par l'unicité et la soumission à lui par l'obéissance et de s'innocenter, de se purifier de l'association de ces gens. Wa akhbirhum, et informe-les, etc. C'est-à-dire ila akhiri, c'est-à-dire jusqu'à la fin du hadith. C'est-à-dire que s'ils acceptent ton appel à l'islam, qui est l'unicité, alors informe-les de ce qui leur est obligatoire après cela, quant au droit d'Allah en islam, en terre de prière et de zakat et de jeûne et de pèlerinage, etc. La an yahdi Allah, qu'Allah guide. Et puis ensuite, humrin na'am, les chamelles rousses, et ce sont les biens les plus précieux chez les Arabes. Maintenant, le sens général du hadith, le ma'na al-ijmali du hadith, أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بانتصار المسلمين على اليهود من الغد على يد رجل له فضيلة عظيمة موالاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فاستشرف الصحابة لذلك كل يود أن يكون هو ذلك الرجل من حرصهم على الخير فلما ذهبوا على الموعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم عليا وصادف أنه لم يحضر لما أصابه من مرض عينيه ثم حضر فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من رقه المبارك فزال ما يحس به من الألم زوالا كاملا وسلمه قيادة الجيش وأمره بالمضي على وجهه برفق حتى يقرب من حصن العدو فيطلب منهم الدخول في الإسلام فإن أجابوا أخبرهم بما يجب على المسلم من فرائض ثم بين صلى الله عليه وسلم لعلي فضل الدعوة إلى الله وأن الداعية إذا حصل على يديه هداية رجل واحد فذلك خير له من أنفس الأموال الدنيوية فكيف إذا حصل على يديه هداية أكثر من ذلك أو هداية عفوا أكثر من ذلك. Le sens général du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé aux compagnons la bonne nouvelle de la victoire des musulmans contre les juifs le lendemain par les mains d'un homme de grand mérite et qui a de l'amour pour Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les compagnons se sont dressés pour observer, car tous désiraient être cet homme en raison de leur diligence, de leur ardeur quant au bien. Et lorsqu'ils se sont rendus au rendez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Ali, et il se trouva qu'il n'était pas présent en raison de la maladie qui l'a touché à ses yeux. Puis il fut présent, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam crachota sa salive bénie dans ses yeux, et ce qu'il avait comme douleur disparut complètement. Et il lui confia le commandement de l'armée. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, lui ordonna d'avancer avec prudence jusqu'à ce qu'il se rapproche de la forteresse de l'ennemi et qu'il leur demande d'entrer en islam et que s'ils acceptent, qu'il les informe de ce qui est obligatoire aux musulmans comme prescription. Puis il mit en évidence à Ali le mérite de l'appel à Allah. Et qui, si se réalise pour le prédicateur qu'un homme soit guidé par son intermédiaire, cela est meilleur pour lui que les biens de ce bas monde les plus précieux. Et qu'en est-il alors s'ils sont guidés par son intermédiaire encore plus de gens? Maintenant, le rapport entre le hadith et le chapitre. Comme l'a dit le cheikh ici, il a dit Munasabatul hadith il bab, anna fihi mashru'iyat ad-da'wati ila l'islam. الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وبيان فضل الدعوة إلى ذلك. Le rapport entre le hadith et le chapitre est, parce qu'on a rapporté que c'était quel chapitre encore une fois, babu al-du'a'i ila shahadati an la ilaha illallah, chapitre de l'invitation, de l'appel à l'attestation que nul n'est en droit
d'être adoré à part Allah. Donc le cheikh a rapporté ce chapitre et puis il a rapporté des preuves sous ce chapitre qui sont donc liées à ce chapitre. Et donc il rapporte ici, le cheikh, il explique le rapport entre ce hadith et le chapitre. Et il dit, le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a le hadith de Sahl ibn Sa'd et qu'il y a dans le hadith le caractère légiféré de l'invitation à l'islam qui est le sens de l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah et la mise en évidence du mérite de l'appel à cela. Maintenant, ce que l'on tire comme bénéfice du hadith, ما يستفاد من الحديث أولا فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له بموالاته لله ولرسوله وإيمانه ظاهرا وباطنا. Le premier des bénéfices qu'on tire de ce hadith, du hadith Sahl ibn Sa'd dans le Bukhari et Muslim, c'est un mérite évident de Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, et une attestation de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quant à son amour, l'amour d'Ali qu'il a pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour son messager sallallahu alayhi wa sallam, et une attestation de sa foi aussi, intérieurement et extérieurement. Deuxième point, إثباتوا أن الله يحب أولياءه محبة تليق بجلاله كسائر صفاته المقدسة الكريمة. Deuxième point, c'est l'affirmation qu'Allah aime ses alliés d'un amour qui sied à sa majesté comme tous ses attributs sacrés et nobles. On avait vu dans un point d'aqida, comme l'a rapporté notre cheikh Mustafa Mabram, qu'on a fait le ma'at l'i'tiqad avec lui ou d'autres mashaykh, ils disent que Allah yuhib wa yuhab. Allah aime et est aimé. C'est ça la aqida d'Ahl Sunnah al Jama'a, qu'Allah aime et est aimé. Allah yuhib wa yuhab. Donc ici le cheikh dit l'affirmation qu'Allah aime ses alliés. C'est quoi un allié? C'est quoi un wali? Parce qu'on parle ici de l'awliya, awliya Allah. Un livre qui traite de ce sujet, c'est le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Al-Farqu bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan, la différence entre les alliés du miséricordieux, du très miséricordieux, et les alliés de Satan. Dans ce livre, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il explique c'est quoi l'allié, le wali. Il dit al-awliya hum al-mu'minun al-muttaqun wa sadalla bi qawli Allah subhanahu wa ta'ala ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون من سورة يونس. Donc l'allié, le wali, est tout croyant pieux, comme Cheikh l'Islam le Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit. Et je vous donne la référence, retournez à ce livre. Et il y a une explication de Cheikh Saleh Ali Cheikh par rapport à ce livre. Il a dit dans son livre Al-Farq بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان, page 49, les alliés d'Allah sont les croyants pieux, comme Allah a dit, ce dont la traduction rapprochée du sens est. En vérité, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ne seront point affligés. Et puis maintenant, il définit ici la définition du wali dans la traduction rapprochée du sens du verset de Sourate Younes, verset 62-63. Ceux qui croient et craignent Allah. الذين آمنوا وكانوا يتقون. أي الوالي كل مؤمن تقي. C'est-à-dire tout croyant pieux. Et pas comme l'awliya de Soufiya ou Ahl Bida'a. On revient au bénéfice de Cheikh Al-Fawzan, que Cheikh Al-Fawzan tire de ce chapitre, et il dit, Hirsu, troisième point, Hirsu sahabati ala al-khayri wa tasabukhum ila al-a'mali salihati radiallahu anhum. La diligence des compagnons dans le bien et la compétitivité entre eux dans les actions vertueuses qu'Allah les agrée. Ça, retenez ça par rapport à la nasiha à la fin, inshallah. Quatrième point, مشروعية الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. Le caractère légiféré du bon comportement lors du combat et du délaissement de l'irréflexion, الطيش, et des sons qui dérangent, الأصوات المزعجة, dont on n'a pas besoin. Cinquième point, أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاد عزيمة. L'ordre de douceur et d'indulgence de l'imam, le leader, à ses agents sans faiblesse ni rupture de résolution. Sixième point, wujub ad-da'wah ila al-islam la siyama qabla qital al-kuffar. L'obligation de l'appel à l'islam surtout avant de combattre les mécréants. Septième point, anna man imtana'a min qabul ad-da'wah min al-kuffar wajaba qitaluhu. Il est obligatoire de combattre les mécréants qui refusent l'appel, qui refusent l'invitation à l'islam. Ici un point que je fais par rapport à ça, pour que ce soit mal compris et que chacun commence à le combattre quand quelqu'un n'accepte pas da'wah,
Ici, ceci est du ressort, bien entendu, des gens qui détiennent le commandement parmi les musulmans selon des règles précises connues des gens de science et n'est pas du ressort du commun des musulmans. Huitième point. أن الدعوة تكون بالتدريج فيطلب من الكافر أولا الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين ثم يؤمر بفرائد الإسلام بعد ذلك. Le huitième point, c'est l'appel se fait, c'est-à-dire une méthodologie dans le da'wah, c'est important en tant que salafi de comprendre ça. L'appel se fait de manière graduelle. Et donc, il est demandé aux mécréants, premièrement, d'entrer en islam en prononçant les deux professions de foi, shahadatan. Puis on lui ordonne de s'acquitter des prescriptions en islam après cela. Neuvième point, فضل الدعوة إلى الإسلام وما فيها من الخير للمدعو والداعي. فالمدعو قد يهتدي والداعي يثاب ثوابا عظيما والله أعلم. Le mérite, c'est le neuvième point, le mérite de l'invitation à l'islam, de l'appel à l'islam, et ce que cela contient comme bien pour l'invité et l'invitant, car il se peut que l'invité soit guidé et que l'invitant soit rétribué par une immense récompense, et Allah est le plus savant. Dixième point, دليل من أدلة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك ببشارته بالفتح قبل وقوعه وبراءة الألم بريقه. Une preuve parmi les preuves de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est cela, et ce car il a annoncé la bonne nouvelle de la victoire avant que cela n'arrive, et en raison de la guérison de la maladie par sa salive. Le point numéro 11, c'est l'iman bil qada'i wal qadar li husul ar-rayati liman lam yas'a ilayha wa man'aha mimman sa'a ilayha. La foi, la prédestination, al qada wal qadar. Encore une fois, on avait déjà dit dans un certain cours que le qada ou le qadar, c'est parmi l'alphade et l'atijtama'at, iftaraqat ou daftaraqat ijtama'at, c'est-à-dire que c'est les mots que quand on les met ensemble, ils ont chacun un sens différent, et quand on les cite de manière individuelle, ils ont le même sens. Revenez à Majmou' al-Fatawa de Cheikh al-Uthaymin, il explique très bien le qada ou le qadar. Il y a d'autres fatawa des Mashiikh qui expliquent la différence entre le qada ou le qadar. Ici, on va traduire ça par la prédestination en raison de l'obtention de l'étendard. Je répète, la foi en la prédestination en raison de l'obtention de l'étendard. Pourquoi ? Cheikh l'explique, il dit, c'est important de comprendre ça pour celui qui ne la recherchait pas. C'est-à-dire que Ali, il l'a eu alors qu'il ne la recherchait pas. Et la privation de son obtention pour celui qui la recherchait. Douzième point, أنه لا يكفي التسمي بالإسلام بل لابد من معرفة واجباته والقيام بها. Douzième point, dernier point de ce hadith, il n'est pas suffisant de se donner le nom d'islam, c'est-à-dire de s'appeler musulman. Mais au contraire, il faut obligatoirement en connaître les obligations et s'en acquitter. On continue, on rentre dans un nouveau chapitre qu'on ne terminera pas aujourd'hui, mais on va bien avancer aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Babu tafsir al-tawhidi wa shahadati an la ilaha illallah. Encore une fois, je vais conseiller à mes frères de mémoriser le matin. On va très doucement, donc ce n'est pas difficile. On a fait à peine 60 pages alors qu'on avait dit qu'il y avait... Hein? Plus de 400 pages, plus de 440 pages. Donc, la personne peut très facilement mémoriser le matn de manière très graduelle. Et aussi, prenez attention et faites attention à la manière dont les chapitres sont agencés, comme Cheikh Al-Fawzan le montre à chaque fois. C'est important de comprendre ça. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. L'auteur qui est Cheikh l'Islam, Mohamed ibn al-Wahhab, car le fasse miséricorde, il dit, chapitre de l'explication de l'unicité et de l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Et de la parole d'Allah dont la traduction rapprochée du sens est « Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes, à qui mieux, le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. » Sourate Al-Isra, verset 57. On a l'explication maintenant de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, qui dit « Munasabatul bab li kitab al-tawhid. Lamma dhakara al-musannif rahimahullah » في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك بين رحمه الله تعالى في هذا الباب معناه لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه فيظن أن معناه الإقرار بتوحيد الربوبية فقط وهذا ليس هو المراد بالتوحيد وإنما المراد به ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله طاعة
طرفا منها في هذا الباب من أنه إفراد الله بالعبادة والخلوص من الشرك. وعطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد ليبين أن معناهما واحد لا اختلاف فيه. Donc le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité est que l'auteur ayant parlé dans les chapitres précédents de l'unicité et de ses mérites et de l'invitation à elle, à l'unicité, et de la crainte de son contraire, qui est l'association, il a expliqué, rahimahullahu ta'ala, wa jazahullahu anna wa an jami' al-muslimina khaira, il a expliqué dans ce chapitre qu'Allah lui fasse miséricorde son sens, car certaines gens se trompent dans son sens, pensant que son sens n'est que l'affirmation de l'unicité de seigneurie. Tawhid al-Rububiyyah. Cela n'est pas ce qui est entendu quant à l'unicité, car ce qui est entendu n'est que ce qui est indiqué par les textes qu'a cité l'auteur, en partie, qu'Allah lui fasse miséricorde, dont une partie dans ce chapitre. Et c'est que l'unicité est de vouer une adoration exclusive à Allah et se purifier de l'association. Et il a juxtaposé, il a fait ce qu'on appelle un atf, il a juxtaposé l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah à l'unicité. Comment ? Babu tafsiri al-tawhidi wa shahadati an la ilaha illallah. Il a juxtaposé l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah à l'unicité afin de montrer que leur sens à eux deux est unique sans aucune différence. Après, maintenant, par rapport au terme yad'oun, أي يدعونهم من دون الله وهم الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم فالضمير الفاعل في يدعون راجع إلى الكفار. Ça revient à la notion ajroumia qu'on a eu aujourd'hui par rapport à l'afal al-mudara'a. Donc on a ici يدعون, ils invoquent, c'est-à-dire qu'ils les invoquent en dehors d'Allah. Et ce sont les anges et les prophètes et les vertueux et d'autres. Et donc le pronom qui est le sujet du verbe ici, ils invoquent, eh bien ce sont les mécréants. Il est comment ici? Les dahir, le damir ou le moustatir, pour ceux qui étaient à la leçon de l'azroumiya. Oujouben ou jawazan? Hein? Vous êtes sûr? C'est quoi ici? Je vous donnerai la réponse après, Inch'Allah. يبتغون أي يطلبون الضمير الفاعل في راجعون إلى المدعوين من الملائكة ونحوهم. يبتغون, ils cherchent eux-mêmes, c'est-à-dire ils demandent. Et le pronom qui est le sujet du verbe, ce sont ceux qui sont invoqués parmi les anges et autres. الوسيلة, c'est quoi الوسيلة? ما يتقرب به إلى الله فمعنى معنى توسل إلى الله عمل عملا يقرب إليه. الوسيلة c'est le moyen, ce par lequel on se rapproche d'Allah. On avait déjà vu ça dans l'Awaqid l'Islam. Et donc le sens du moyen de se rapprocher d'Allah est qu'il fasse une action vertueuse qui le rapproche d'Allah. On avait vu la différence entre التوسل المشروع والتوسل الممنوع, le tawassul qui est légiféré et le tawassul qui est interdit. Excellent dars, je vous recommande vraiment, d'un cheikh qui est mort, rahimahullah, qui meurt jeune alors qu'il était un savant, cheikh Abdul Salam ibn Barjis, rahimahullah ta'ala. Il a un vraiment très très bon dars sur ce qu'est le wasila, très détaillé, très clair, avec une explication très claire, l'adilla, etc., rahimahullah ta'ala. Wayarjoun rahmatah, ils espèrent sa miséricorde, c'est-à-dire qu'ils n'espèrent en personne en dehors de lui. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ, ils craignent son châtiment, c'est-à-dire qu'ils ne craignent personne en dehors de lui. Le sens général du verset, المعنى الإجمالي للآية, أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين يدعون يدعوهم عفوا المشركون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يبادرون إلى طلب القربة إلى الله فيرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا كانوا كذلك كانوا من جملة العبيد فكيف يدعون مع الله تعالى وهم مشغولون بأنفسهم يدعون الله ويتوسلون إليه بعبادته. Le sens général du verset de quelle sourate? Sourate l'Isra. Le sens général du verset 57. Allah le Très-Haut informe que ceux-là que les associateurs invoquent en dehors d'Allah, parmi les anges et les prophètes et les vertueux, se précipitent eux-mêmes à chercher à se rapprocher d'Allah et espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Et donc si telle est leur situation, ils font partie des serviteurs
Et donc, comment pourraient-ils être invoqués avec Allah le Très-Haut, alors qu'ils sont occupés avec eux-mêmes, invoquant Allah et cherchant à se rapprocher de lui en l'adorant? Le rapport maintenant entre le verset et le chapitre. Quel chapitre? Babu, tafsir al-tawhid, wa shahadati an la ilaha illallah. Quel verset? Surat al-Isra. 57. Le rapport entre le verset et le chapitre, أنها دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك وإفراد الله بالعبادة. فإن لا إله إلا الله تشتمل على النفي الذي عبر عنه الخليل بقوله إنني براء والإثبات الذي عبر عنه بقوله إلا الذي فطرني. Le rapport entre le verset et le chapitre, le verset indique le sens de l'unicité et de l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Et c'est de délaisser ceux sur lesquels sont les associateurs en termes d'invocation des vertueux et de demande d'intercession aux vertueux pour eux auprès d'Allah pour la dissipation du mal ou sa réduction, car cela est l'association majeure. J'ai pas lu ça, je me suis trompé ou quoi? Ouais, non, on recommence. Yallah. Ça c'était le rapport entre le verset et le chapitre, on est d'accord. Mais moi ce que j'avais dit c'était le sens général du verset. On avait fini ça. Donc c'est juste. Donc c'est juste. Mais j'avais pas lu en arabe par rapport à Mounasabat al-Aya lil-Bab. Donc je répète en français d'abord, le rapport entre le verset et le chapitre. Le verset indique le sens de l'unicité et de l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah, ou à part Allah, et c'est de délaisser ceux sur lesquels sont les associateurs en termes d'invocation des vertueux, et de demande d'intercession aux vertueux pour eux auprès d'Allah, pour la dissipation du mal, ou sa réduction, car cela est l'association majeure. Et le cheikh, il a dit en arabe ici, il a dit مناسبه الايه للباب انها تدل على ان معنى التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله وترك ما عليه المشركون من دعوه الصالحين والاستشفاع بهم الى الله في كشف الضر او تحويله لان ذلك هو الشرك الاكبر. ما يستفاد من الايه؟ Ce que l'on tire comme bénéfice du verset, premièrement, الرد على الذين يدعون الاولياء والصالحين في كشف الضر او جلب النفع من هؤلاء المدعوين لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا فكيف يملكون ذلك لغيرهم. Premier point qu'on tire, c'est la réfutation à l'encontre de ceux qui invoquent les alliés d'Allah et les vertueux pour dissiper le mal ou obtenir le bien, car ceux-là qui sont invoqués ne possèdent rien pour eux-mêmes, comme mal ou comme bien. Et donc, comment posséderaient-ils cela pour autrui? Deuxième point, بيان شهادة خوف الأنبياء والصالحين من الله وبيان رجائهم لرحمته. Deuxième point tiré de ce verset de sourate al-Isra, c'est la mise en évidence de la grande crainte des prophètes et des vertueux envers Allah subhanahu wa ta'ala et la mise en évidence de leur espoir en sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. On continue dans le matn. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. L'auteur qu'à l'Aliphas miséricorde, il dit, et de sa parole dont la traduction rapprochée du sens est, et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Surat Zukhruf, versets 26 et 27. C'est-à-dire qu'après avoir cité le chapitre, puis avoir cité le verset de Surat Al-Isra, il cite des versets de Surat Az-Zukhruf. Explication de Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, il dit, Bara'u mimma ta'aboudoun, أي بريء من جميع معبوداتهم. براء مما تعبدون, c'est-à-dire je désavoue totalement ce que vous adorez, c'est-à-dire je suis innocent de tous ceux que vous adorez. إلا الذي فطرني أي خلقني وهو الله فهو معبودي وحده. إلا الذي فطرني, à l'exception de celui qui m'a créé, c'est-à-dire qui m'a créé, et c'est Allah, il est le seul que j'adore. فطرني, ça veut dire خلقني. Le sens général du verset, المعنى الإجمالي للآية أنه يخبر سبحانه عن عبده ورسوله وخليله عليه السلام أنه تبرأ من كل ما يعبد أبوه وقومه ولم يستثني إلا الذي خلقه وهو الله فهو يعبده وحده لا شريك له. Le sens général du verset, Allah informe au sujet de son serviteur et messager et ami proche qu'il s'est innocenté de tous ceux que son père et son peuple adoraient, c'est-à-dire qu'il fait référence à Ibrahim et au père d'Ibrahim et au alayhi salam et à son peuple,
il n'a fait exception que de celui qui l'a créé. Et c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc il l'adorait lui seul sans lui donner d'associé. Munasabatul ayati. Munasabatul ayati lilbab. Le rapport entre le verset et le chapitre. Le verset de Surah Zukhruf et ce chapitre. أنها دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك وإفراد الله بالعبادة فإن لا إله إلا الله تشتمل على النفي الذي عبر عنه الخليل بقوله إنني براء والإثبات الذي عبر عنه بقوله إلا الذي فطرني. Le rapport entre le verset et le chapitre, le verset indique que le sens de l'unicité et de l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah est de s'innocenter de l'association et de vouer l'adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. L'attestation, nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, la ilaha illallah, consiste en la négation que l'ami proche d'Allah a exprimée dans sa parole, dans la traduction du sens est, je désavoue totalement, innani bara, et en l'affirmation qu'il a exprimée dans sa parole, dans la traduction du sens, il alladhi fatarani, à l'exception de celui qui m'a créé. Ce que l'on tire comme bénéfice du verset, de ces versets-là de Surah Zukhruf, ما يستفاد من الآية أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه. Premier point, premier bénéfice, première faïda, le sens de nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. La ilaha illallah est l'unicité d'Allah en lui vouant une adoration sincère et en se désavouant de l'adoration de tout autre que lui. Deuxième point, الفائدة الثانية إظهار البراءة من دين المشركين. Le fait de faire apparaître le désaveu de la religion des associateurs, c'est-à-dire de se désavouer de la religion des associateurs, et de le faire apparaître. Troisième point et dernier point pour ce verset, مَشْرُعَةُ التَّبَرِّي مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَلَوْ كَانُوا أَقْرَبَ النَّاسِ. Le caractère légiféré de se désavouer des ennemis d'Allah, et ce même s'ils sont les gens les plus proches. يَقُولُ مُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وقول تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et de sa parole dans la traduction rapprochée du sens est, et ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Christ, fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, et il est au-dessus, de ce qu'il lui associe. Surat Tauba, verset 31. Pour les frères, je ne sais pas si vous avez la même édition que moi, il y a une note de bas de page. Vous l'avez ou pas? Moi j'ai celle de Dar al-Asima. Et il est dit que فَقَدْ فَسَّرَ هَدِي الْآيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ لِعَدِّ بْنِ حَاتِمٍ عِنْدَمَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَسَمِعُهُ يَقْرَأُ هَدِي الْآيَ فَقَالَ عَدِّي إِنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوهُمْ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن وابن أبي شيبة في مصنفه. La note de bas de page par rapport à ce passage du chapitre de Cheikh al-Islam Mohamed al-Wahhab rahimahullah ta'ala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset à Adi ibn Hatim lorsqu'il est rentré chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'a entendu réciter ce verset. Et Adi a dit, ils ne les ont pas adorés. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, mais si ils l'auront jugé le licite comme étant illicite et ils l'auront jugé l'illicite comme étant licite et ils les ont suivis. Et ceci est donc leur adoration d'eux. C'est rapporté par Tirmidhi et c'est un hadith jugé bon, Hassan, et par Ibn Abi Shaybah dans son Musannaf, comme il a rapporté le shir ici. Maintenant, les mots de vocabulaire, ittakhadhu, ay, ja'ala al-yahoud wa al-nasara. Ja'ala al-yahoud wa al-nasara. Ittakhadhu, ils ont pris, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Des fois, il y a des fautes, dans mon édition que j'ai moi, il y a des fautes de frappe des fois. Hein? Je ne sais pas si vous avez les mêmes fautes de frappe. أحبارهم أي علماءهم أحبارهم لغبان c'est-à-dire leurs savants ورهبانهم أي عبادهم ورهبانهم لغموان c'est-à-dire leurs adorateurs أربابا seigneur c'est-à-dire أربابا أي مشرعين لهم يحللون ويحرمون لأن التشريع من خصائص الرب سبحانه وتعالى فمن أطاع مخلوقا فيه فقد اتخذه ربا
Arbab un seigneur, c'est-à-dire des législateurs qui leur légifèrent ce qui est licite et ce qui est illicite, car la législation fait partie des spécificités du Seigneur. Et donc, quiconque obéit en cela à une créature l'aura prise comme Seigneur. والمسيح ابن مريم أي واتخذوا عيسى عليه السلام ربا بعبادتهم له والمسيح ابن مريم ainsi que le Christ fils de Marie, c'est-à-dire qu'ils ont pris Isa عليه السلام Jésus comme Seigneur en l'adorant. سبحانه عما يشركون أي تنزه الله تعالى وتقدس عن الشركاء والنظراء. سبحانه عما يشركون, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe, c'est-à-dire qu'Allah est exempt et pur de tout associé et de tout semblable. المعنى الإجمالي للآية لسان جنرال دي فيرسي دي سورة التوبة فيرسي 31 يخبر الله سبحانه عن اليهود والنصارى أنهم استنصحوا الرجال من العلماء والعباد فأطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله فنزلوهم بذلك منزلة الرب الذي من خصائصه التحليل والتحريم كما عبد النصارى عيسى وزعموا أنه ابن الله فنبذوا كتاب الله الذي أمرهم فيه بطاعته وحده وعبادته وحده وهذا إخبار منه سبحانه يتضمن إنكار ما فعلوه ولذلك نزه نفسه عما يتضمنه هذا الفعل من الشرك به. Le sens général du verset de Sourate Tauba, verset 31, c'est qu'Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala informe au sujet des Juifs et des chrétiens qu'ils ont demandé conseil, stansahouhum. Ils ont demandé conseil aux hommes parmi les savants et les adorateurs et ils leur ont obéi dans le fait de juger licite ce qu'Allah a interdit et de juger illicite ce qu'Allah a permis. Et donc ils les ont par cela placés au degré du Seigneur, parmi les spécificités de qui réside le fait de juger illicite, ce qu'on appelle le tahlil, et le fait de juger illicite, ce qu'on appelle le tahrim. Comme les chrétiens qui ont adoré Isa et ont prétendu qu'il est le fils d'Allah, et ont donc délaissé le livre d'Allah dans lequel il leur a ordonné de lui obéir à lui seul, et de l'adorer à lui seul. Et cette information de sa part inclut le blâme de ce qu'ils ont commis. Et c'est pour ça qu'il s'est exempté, subhanahu wa ta'ala, purifié entre parenthèses, lui-même, de ce que cette action contient comme association à lui. Le rapport entre le verset et le chapitre, مناسبه الايه للباب انها دلت على ان من معنى التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله افراد الله بالطاعه في تحليل ما احل وتحريم ما حرم وان من اتخذ شخصا من دون الله يحلل ما احل ويحرم ما حرم فهو مشرك. Le rapport entre le verset et le chapitre, ce verset indique que le sens de l'unicité et de l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah et de vouer une obéissance exclusive à Allah dans le fait de juger licite ce qu'il a permis et de juger illicite ce qu'il a interdit. Et que quiconque a pris un individu en dehors d'Allah, jugeant licite ce qu'il, cet individu, a jugé licite et jugeant illicite ce qu'il, c'est-à-dire cet individu, a jugé illicite, il est alors un associateur. Ce que l'on tire comme bénéfice de ce verset, on terminera là-dessus aujourd'hui, inshallah ta'ala. أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله طاعة الله في التحليل والتحريم. أبيغ الله dans le تحليل والتحريم fait partie du sens de l'unicité et de l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Deuxièmement, أن من أطاع مخلوقا في التحليل الحرام والتحريم الحلال فقد اتخذه شريكا لله. C'est-à-dire, deuxième point ici, que quiconque obéit à une créature dans le tahlil de ce qui est illicite et le tahrim de ce qui est licite aura pris à un associé à Allah. Troisième et dernier point, ou avant-dernier point, الردُّ على النصارى في اعتقادهم في المسيح عليه السلام وبيان أنه عبد الله. La réfutation à l'encontre des juifs, des chrétiens, pardon. Je peux avoir ton instrument. La réfutation à l'encontre des chrétiens dans leur croyance au sujet de Isa, Jésus alayhi salam, et la mise en évidence qu'il est un serviteur d'Allah. Quatrième et dernier point, tanzihullahi ani shirk, exempter Allah de toute association. Et avec cela, on aura fini le cours pour aujourd'hui. Wallahu alam, subhanaka wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.